Cher monsieur Belabbas, comme tous les ans, vous avez fait une demande de participation au salon de l'agriculture. Je vais te mettre de la crème. La direction du salon a décidé de vous inviter, vous et votre vache Jacqueline. Quand tu es à Marseille, tu appelles mon frère Hassan. Bonjour. Qui c'est? Un porteur de... Je suis son beau-frère. Non, non, non. Papa, t'as amené ta vache. Allez, vas-y, dégage. Allez. Foute la honte avec ta vache et tes sacoches. Regarde-moi ça, hein, vandaliste. Regarde pas ça, Jacqueline. Tu vas faire des cauchemars. Et vous marchez comme ça depuis longtemps? 20 jours, quoi de pile. Ça vous ennuie que je fasse une petite interview, c'est pour la télé? Ah non, pas du tout. En plus, ça tombe bien, il y a 2 jours, j'ai fait la douche. Ah. Et quoi, chef Naïma, je ne m'aime pas, je t'adore, Marc. Tac, donc, c'est le spectacle. Si je ne veux pas vous parler, vous pouvez pas lui écrire? Ma chérie. Ah non, pas ma chérie, oh, c'est ma femme. Je suis signé Fatah Belabbas déclare de qui de droit. Mais vous n'êtes pas en train d'écrire une lettre aux impôts, la Fatah. Un peu de poésie. Naïma, j'espère que quand je rentrerai à la maison, il sera encore là. Comme ça, je pourrai te raconter mon voyage. Il s'appelle Fatah Belabbas. Et depuis plus de 20 jours, il traverse la France à pied. C'est bon, ça. Mais plus fort, mais plus fort. On est speed, là, viens. Jacqueline. Allez. J'adore ce mec, lâche le coup.